Salut tout le monde et bienvenue sur GeekerDotion en compagnie de Sega pour notre jeu Control, World of Control. Qui me veut troll, l'épisode précédent m'avait fait me perdre inutilement à cause d'une espèce de mur rouge qui resterait. Qui voulait pas me laisser passer. Du coup, j'étais me perdre dans des endroits que j'avais rien à foutre. Public captivé, nouvelle mission. Alors du coup on continue la quête, le club des vieux copains. Valère Marshall pour la Terrefonne. Ok, donc je pense que c'est par ici. Parle d'un ascenseur, ça va être ça. Marshall, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jesse Faden. Je viens vous aider. Faden? Attendez, je vais vous envoyer l'ascenseur. Il faut qu'on parle. Exactement. Et nous allons parler, madame. Encore plus? Sérieux? Tant que directrice, j'estime que tout ceci est un vrai bordel. Je veux des explications. C'était ça là tout à l'heure, le cerveau durant. J'ai pas fait gaffe. En fait, on l'a pas dit, mais on est dans le STEM, le débit reading. Marshall vous attend dans le labo de chance, un peu plus loin. Labo de chance? Tu penses que c'est par ici? On peut prendre un point de contrôle, on le fait. Luck chance, ok. Bonjour, vous êtes l'objet Marshall? Eh ben non, je vais prendre la plante! Parce que peut-être que d'avoir un commun Resident Evil, ça me servira de bœuf pour me soigner! Bon. Heureux de vous rencontrer, Marshall. Félicitations pour votre nomination, directrice Faden. Je suis Hélène Marshall, chef des opérations du bureau. Zacharia est mort alors. Et j'imagine que vous avez trouvé son arme. Appelez-moi Jesse. Trench m'a dit de vous trouver. Il dit que vous pourriez aider. Et il vous a dit ça via la hotline. Oui, c'est logique. Ah bon? Rien tout ça de latin? Vraiment? Voici la situation. Darling a créé les ARP dans un labo pas loin. Il nous en faut plus si on veut survivre à cette attaque. Mes hommes ne peuvent pas prendre le labo tout seul, pas face à des trucs pareils. On a besoin de plus de puissance de feu. Au moins, elle a l'air au courant de ce qui se passe. Je le fais semblant. Elle pourrait savoir pour Dylan. Je peux combattre le Hiss. La puissance de feu, c'est moi. C'est une bonne réponse. Est-ce qu'elle me teste? Darling a mis en place des systèmes pour protéger son laboratoire. Avec ça, vous pourrez passer. On discutera quand vous aurez repoussé le Hiss. Soldats, laissez passer. On va verrouiller derrière vous. Je pourrais pas avoir ces armes qui sont là. On peut pas prendre de risques. Non. Non, parce que quelques greux, je dirais pas non, hein. Quelqu'un a des nouvelles de Salvador? Aux dernières nouvelles, il a emmené une équipe de sécurité dans le confinement. Apparemment, je ne suis pas autorisé à prendre toutes ces munitions. Toutes ces armes goldées. Je vois des soldats là-bas.
Division des rites. Ok. Oh putain! Qu'est-ce qui m'a fait mal comme ça? Ouf des cailloux! Culé! Ça va être ça. Et je vais pas prendre de risques. Tu vas péter! La villa, on profite. Vous inquiétez pas, la direction fait le ménage. Un coup de flingue, de pouvoir télékinésique. Oh. Pas comme ça sur moi. Rechargement. C'est pas grave. Oh. Est-ce qu'il y en a encore? J'ai pas un petit matériau. Si tu veux bien, plein. Ok, bon. Nous sommes pleins. Purifions la zone. Les laissez pas venir. Il va détruire la zone. Bon. Ouh, on a un gros. Rapprocher de moi le con. Ah. Il a reçu des renforts. De faire ménage. Et je vais peut-être pouvoir terminer de purifier la zone maintenant. Préparation du mode Deception. Alors, capacité, j'ai toujours que 3 points. Bon, alors, on a plus d'énergie. C'est pas ça qui m'intéressait. J'en ai déjà un flingue comme ça. Tu es déjà niveau 2.
plein de modes. Là, je peux recycler, je peux équiper, ok. J'ai un mode de quoi d'équiper. 17 de santé. Est-ce que j'ai? Je suppose que s'il met ça, c'est que c'est moins bon. Que c'est à recycler. Ressources, on a des ressources, tac, ok. Essayer de découvrir un peu le système de crafting. T'es pas trop attardé dessus. Ça, c'est une tige, j'en ai déjà. Et ça, j'ai pas les matériaux qu'il faut. Réfléchir pour générer des modes aléatoires. Ok, pas très utile. Capacité d'esquive. Et efficacité de lancer. Bon. Pour l'instant, tout ce qui est crafting et tout, je trouve pas super utile. On explore. Analyse de l'objet altéré numéro 52 AE, deuxième session. Je commencerai par essayer. Le petit canard, il est altéré. L'objet. D'abord, une faible décharge électrique. Pas de réaction. Je vais ensuite augmenter sa température à l'aide d'un bec Bunsen. Il a voulu brûler le canard. Pas de réaction. Ensuite, différentes solutions seront appliquées, chacune avec un pH différent, allant de 0 à 14. Alors, attendre 14 fois pas le bruit. Pas de réaction pour aucune valeur. Je vais ensuite tenter de communiquer. Quoi, quoi? Pouvez-vous me comprendre? Comprenez-vous mes mots? Si vous comprenez, cactez. Quoi? Pas de réaction. Fin de la deuxième session. Nous avons besoin de temps pour préparer d'autres expériences. Vous appelez ça une expérience? Putain. T'es une bande d'amateurs. Là. Ok. Tu dois vraiment aimer ces ARP. On dirait que Darling les a créés. Ainsi que la plupart des trucs qui sont ici. Si Marshall ne sait rien sur Dylan, c'est lui qu'il faudra voir. Enfin, s'il n'est pas mort ou corrompu par le Hiss. Et à la place, je veux voir ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce? Et tubulence astrale. Efficacité de rotation. Ça ressemble à ça. Ok. Pour une fois que j'ai pas été mauvais. Labo ARP.
Tu m'as amené ici. Tu sais comment ça fonctionne ? Tac. Ah. Et un petit peu de lecture. Résumé, les prismes de pierres noires sont des informations de pierres noires uniques, qui se distinguent par leur forme et leur puissance. Alors que la densité de la pierre noire étoffe les forces paranaturelles, la structure unique des prismes retient les fréquences d'une dans une gamme allant de tac-tac en Hertz, avec une harmonisation parfaite. Ce rapport analyse les résultats d'une focalisation de, on ne sait pas, par un prisme harmonisé sur un. Les méthodes d'impression des champs non physiques sur leur conférant les propriétés de la résonance harmonisée. Dans le prisme seront décrites et expliquées. Le dossier contient un rapport complet. Play. Rebonjour, directrice. On dirait que nous avons un autre problème. Encore ? Il faut faire fonctionner la machine à ARP. J'ai déjà manié des bougies d'allumage, mais ça m'a l'air un petit peu plus compliqué. Darling avait forcément un système. L'aléatoire, ça ne lui ressemble pas. Toutes les cartes, les symboles, les terminaux. Comment sont-ils liés ? Je vais voir ce que je peux faire. Ah, une énigme ? Des cartes. Encore une. M'en manquerait apparemment. Je vais refaire le tour de la pièce, voir s'il manque pas. On est là. Est-ce qu'il y a encore une quelque part? Bon, on doit trouver toutes les cartes de ce genre. Est-ce qu'ils en cacheraient pas une par ici? Ah ah. Ok, donc... configuration... Laquelle affecte le IS? Soit celle-là ou soit celle-là? Il y a une qui est classifiée. Je sais pas du tout si c'est ça. Je pense qu'il faut faire pareil avec d'autres terminals et essayer de trouver la bonne combinaison. Chaque carte devrait correspondre à un terminal. Ah, si j'avais compris, madame. On vous a compris. 5. 5 est barré. 5, c'est peut-être ça, du coup. C'est quel le... C'est le 1. Je suppose que le premier, c'est comme dans le tableau. Ces dessins au tableau sont peut-être importants. Tant, sans déconner. Le 1, le 5, le 2. Est-ce que j'ai mis quelque chose dans le 2? Jérémy. Le 2, le 2. Two power.
un tableau ici. Qu'est-ce que deux? Mais il faut un truc, donc c'est peut-être un tachangé. Travailler sur quelque chose avec ces symboles. Peut-être le carré tout noir, le 2. Un, deux, cinq. Le 3. Veulent dire ces symboles. J'arrive pas à te sélectionner. C'est ça ? Donc c'est ça. Le prisme s'est brisé. Les prototypes de Darling ne sont pas parfaits. Il nous faut un autre plan. Bon. Ben, j'aurais apparemment trouvé, mais... Je me trompe. Il faut plus de prismes de pierre noire pour activer cette machine. Darling a un autre labo au site de traitement de pierre noire, dans la maintenance. C'est sûrement là-bas qu'il garde les prismes. Je suis déjà allée à la maintenance. Je retrouverai mon chemin. Mais combien de temps ça prendra? Rien n'est simple ici. Je dois lui demander avant d'y aller. Je dois vous demander un truc avant. Qu'est-ce que vous savez sur Dylan Faden? Je savais que ça arriverait. Mais des vies sont en jeu, et nous devons faire marcher ces machines pour les sauver. Quand ça sera fait, directrice Faden, nous pourrons parler. Tu te doutes que je suis sa sœur. Ouais. Même si je n'aime pas beaucoup l'admettre, je suis la seule à pouvoir aider. Ok. Je vais d'abord chercher les prismes. Dylan devra attendre encore un petit peu. Mais pas besoin de m'appeler directrice. Jessie, ça suffit. Je vous appellerai Faden. Tenez, vous aurez besoin de son pass. Merci. Emily Pope a monté un camp en exécutif. Pas au niveau 4. Dès que je trouve le prisme, je vous retrouve là-bas. Bien. Je me mets en route sur le champ. Et trouvez Darling. Le trouver pourrait être la clé pour arrêter le Hiss. Avec un seul ARP de taille, prêt à temps. Mais c'est fait maintenant. Nous sommes sur le point d'être exposés à un type de résonance. Hostile, virale, invasive, négative. C'est le but même des amplificateurs de résonance. Se servir de la protection du polyèdre. Et éviter de se faire pulvériser. Le mystère reste complet, les gens. Là, ça vous ramènera vers la recherche centrale. Ok, un raccourci. Si seulement on avait pu le voir dès le début, on serait pas paumés comme des cons. Secteur maintenance. Lors d'une chute, utilisez l'évasion. Juste avant d'atterrir. Pour ne pas subir de dégâts.
Marshall sait des choses à propos de Dylan. Il serait ici? Est-ce qu'il va bien? Les ARP d'abord. Ils permettront de sauver des vies, dont celle de Dylan. Quand je l'aurai trouvé. Exactement, ça pourrait être utile pour plus tard, pour lui aussi. Comme moi. Centre de maintenance. Continuer vers le traitement de la pierre noire. Salle d'Atlas. Alors c'est où la salle d'Atlas? C'est vers la gauche. BlackRock, process. Oh, une grosse boule là-bas. Y'a plus de boule. Y'a plus de boule. Pourquoi c'est quelqu'un là-bas? Ils sont même deux. Prends. Des gens. Oui. Bon. Les tacos au coq marchera mieux. Le loot. J'ai l'impression que ce soit par là. Tout que je vois pas comment on va aller de l'autre côté. Ah, un coffre. Bon, je pense qu'il faut réussir à arrêter les espèces de rotors. Merde. Pour marcher dessus, passer. Des jeux de plateforme. Je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai fait. Ok, enfin un deuxième pour la porte, putain. Il y en a qu'un. Ah! Viens là, toi.
faire un petit tour tous les deux. Tu vas voir. C'est génial, je vais te brancher. Allez. Traverser l'hôtel. Eh oh, vite, vous êtes ouvert. On aimerait une chambre. Eh oh. Je sais pas. La lumière est allumée, ça devrait être ouvert. On voudrait prendre une chambre pour la nuit. Eh oh. Je crois qu'il y a personne chez vous. Tiens, j'ai passé devant un autre hôtel. Nous là dans l'hôtel. Tout est fermé. Ces chambres de merde. Mmh. Non, sans déconner, ça faut ranger la chambre pour continuer ou... Vous êtes la directrice, mais vous ferez le ménage, moi qui vous le dis. Oh, les deux sont ouvertes. Non, la chaise n'est pas... S'il faut mettre exactement pareil, on va essayer. Quelque chose s'est ouvert. Ici. On a de nouveau récupéré une clé, dis-moi pas que c'est la même que ta... Bien sûr que si. Le traitement de la porte noire. Je ne sais pas à quoi ces phases-là servent, mais on l'a fait. On ne comprend pas tout. Nous sommes dans la bibliothèque d'Interstellar. Et on casse des poutres. T'en es revenu ici? Tout à l'heure, le pont n'était pas complet. À moins que je suis pas allé au même endroit. Moi qui n'ai pas le plus grand sens de l'orientation au monde. Si je continue à me faire perdre dans des trucs comme ça, on est mal barré. Ok. On doit trouver le chemin vers le traitement des pierres noires. Marshall a dit que c'est là-bas qu'on trouvera un prisme. Noir, toujours par là. Les toilettes, les toilettes. Vous savez pourquoi on est dans un jeu vidéo? Parce que les toilettes sont propres. Ça serait par là, mais c'est verrouillé.
Qu'est-ce qui se passe, messieurs? J'arrive. Et voilà. Où est-ce qu'ils sont? Montrez-moi. Enfin, tout le boulot en tant que directeur, hein. Je vous jure, gros putain. Ah, je l'ai pas vu. Il y a de la vie là. Faut réussir à les sauver. Pour l'entreprise, messieurs. Soyez-en fiers. On doit encore avoir quelque chose. S'il te plaît, ne fais pas comme la dernière fois, ne me troll pas. Il est où? Là-bas. Espèce de booker de shelter. Je suis content de voir que c'est toujours vous. Je me sens pas très bien. Ça va aller, on se battra jusqu'au bout. L'escouade Charles est revenue en train de expédition dans la lisière de la carrière juste après 0500 Zulu. Pouvez-vous vous identifier et décrire l'objectif de votre expédition? Kevin Horowitz. Rupert Wells. Notre mission était de cartographier les coordonnées de la carrière G29. La mission secondaire, comme toujours, consistait à trouver un chemin de l'entrée de la lisière en maintenance jusqu'à la formation. Cette mission secondaire a été un échec. Quelle surprise! Et avez-vous rencontré une entité ou un événement non consigné lors de votre voyage dans la lisière? Non, rien. Hey, tu crois qu'on va lui parler de la sirène? Ils ont pris quelques mauvais coups. Ouais, la sirène. Il y a une station chirurgicale plus vite, mais je pense pas qu'il soit assez stable pour être évacué. Sur de la pierre noire. Ben, ils vont devoir faire un effort. Elle chantait une superbe chanson. Il était complètement sous son charme. Elle était très séduisante. Je dirais qu'elle était plus enchanteresse que séduisante. Ouais, enchanteresse. On avait-vous parlé à votre chef? Non. Parce que c'est totalement faux. Il s'est rien passé, comme d'hab. La carrière est pleine de pierres, c'est tout. Marché, hein. Pour chaque ennemi, est-ce qu'on peut y aller? Je vous paie un shot. Bande de cons, foutez le camp. Ouais, mais peut-être que la sirène n'est pas une blague. Bon, à nous deux. Merci de vous être occupé de ça. Peu importe ce que c'était. On a du mal à tenir le coup ici, chef. Comment ça se passe hors de la maintenance? Qu'est-ce que je lui dis? La vérité est cruelle, mais ils ont dû souvent côtoyer la mort. Lewis est partout. La majorité du bureau est perdue. Il nous faut des prismes de pierre noire afin de créer des ARP pour les survivants dans les abris.
Je me rends au labo de pierre noire de Darling. En résumé, mort, désastre et imminente destruction. Un jour comme un autre au BFC. T'as tout compris. Le labo de Darling est juste après la salle de traitement de pierre noire, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que c'est juste après le hall. La mauvaise, c'est qu'un monstre du Hiss a décidé de s'y installer, donc, bonne chance, hein. Un monstre. C'est ce que disent les soldats. Enfin, ceux qui ont survécu, en tout cas, hein. On a du mal à tenir ici, et le Hiss ne faiblit pas. Salvador saurait quoi faire, mais apparemment, il a emmené une équipe de sécurité dans le secteur de confinement juste avant le verrouillage et... ben, personne ne l'a vu depuis. Mais bon, au moins on vous a, vous, notre courageux chef, hein. Ils devraient pas compter sur moi. Ils me connaissent pas. Ils savent pas que je suis pas très fiable. Vous avez fait du bon boulot ici, Arish. Mais vous devriez emmener votre équipe vers la base, en exécutif. Bon boulot. Vous regrouperez là-bas. Je vais aller m'occuper de ce monstre. Je commence à m'habituer à eux. À vos ordres, Faden. Et oubliez pas de lui mettre une balle ou deux de ma part, hein. C'est du bon boulot, mon gars, mais n'oublie pas que tous les bonus, tout ça, me reviennent. S'il y a des bénéfices, c'est pour moi. Je ne plaisantais pas à propos de ce monstre. Ouais, il a désingué tout le monde. Ah non, c'est parce que je me disais, j'ai le niveau 4. Vous m'avez montré les ARP quand je suis arrivé. Et la machine qui les produit. Vous pouvez m'aider à trouver un prisme ? Ça sent la salle de boss. Merde! Ils sont brisés! Y'a pas un seul prisme intact! Qu'est-ce que... Je m'en doutais. Putain! La claque qu'elle m'a mis. C'est fuchu ou... C'est ça, ça c'était caché, c'est fuchu. Olé. Ça s'est barré quelque part. Oup. Là-bas, là, quelque part. Connasse! Où est-ce qu'elle est? Saloperie, prends mes balles, veux-tu bien décéder? Mmh.
Mais en fait, j'ai l'impression que t'es juste dans le portée de son cri, tu meurs quoi. Alors, au début d'un combat, faites attention à votre barre de santé. Utilisez des points de contrôle pour rétablir certainement ou ramasser des éléments de santé lâchés par les ennemis blessés. Merci! Je pense que tout ceci, je l'avais bien compris. Bon, on va y arriver. De toute façon, le boss en soi n'était pas particulièrement dur. Appuie plus fort sur la blessure. Bon, ben, Rich ne plaisantait pas à propos de ce monstre. Vous m'avez montré les ARP quand je suis arrivé. Et la machine qui les produit. C'est juste qu'elle met 5 claques en fait. Vous pouvez m'aider à trouver un prisme. T'es là, ma cocotte. Ah, je t'ai eu là. Je vais t'avoir, voilà. Dépêchons-nous de trouver le labo de Darling. Une fois, pas deux. Du secteur de maintenance. C'est de là que vient la pierre noire. Matière, entendu, extra, non dimensionnelle. La pierre noire vient d'une Elle lisière. Elle possède la propriété unique de carrière. Bloquer de nombreuses fréquences. C'est très utile. Les prismes doivent s'y trouver aussi. Les stabiliser, les contenir. Un peu comme du plomb paranaturel. Nos recherches de nombreux dangers. Devraient nous permettre d'entrer dans la carrière. Nous protéger coûte que coûte. C'est là que les coupe-feu en pierre noire entrent en jeu. Les cellules de confinement du panoptique. Code pierre noire 665 juste avant la baie. Compris? Ok, 665 le code. On peut la refaire si vous. Ok. Wow, on doit tout traverser. Je vois que dalle là. Encore un mode d'arme. Il n'y a rien de particulier à part monsieur qui vole de l'autre côté. Mais bon, dans ce jeu, ils aiment tous planer. Ta-da-dum. Je suis allé un peu trop loin, on va quand même ramasser ça. Encore plus de lecture. Une cure en a déjà été. On dépense nos 4 points. Si on a quoi? Encore plus 50% de dégâts, peut-être ça serait pas mal. Mais j'ai augmenté la vie pour l'instant. Ok tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura plus avancé que la dernière fois.
Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire si vous voulez. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.